Bah, on est là donc en réaction aux élections présidentielles parce qu'on a la sensation que nos revendications, enfin en tout cas les revendications de la jeunesse, sont absolument pas prises en compte. Que ce soit donc. Là on donne pas d'indication de vote, justement, on s'autorise pas le droit de faire ça. Là on est surtout là pour exprimer donc notre désaccord. Les gens font ce qu'ils veulent, s'ils veulent voter blanc ils le peuvent, s'ils veulent voter Macron ils le peuvent. Le Pen, bon, on incite tout de même à ne pas voter Le Pen, mais voilà. Donc c'est plus quoi ? Vous êtes là aujourd'hui, c'est quoi la revendication ? Aujourd'hui, on est là parce qu'on est face à un second tour qui ne prend pas du tout en compte et qui parle très très peu des problématiques écologiques et sociales, de la précarité qui s'est accentuée encore plus ces derniers temps. On a un exemple concret avec la guerre en Ukraine. Il y a énormément de réfugiés ukrainiens qui par ailleurs n'avaient pas, étudiés en Ukraine mais n'avaient pas la nationalité ukrainienne et qui sont bloqués à l'inscription de la fac. Donc là on a clairement. Nous justement, on a oui cette chance-là d'avoir une certaine influence en étant ici et aujourd'hui on veut porter ces voix-là et on est bien conscient que dans tous les cas il faut aussi une certaine petite bourgeoisie intellectuelle, une certaine petite bourgeoisie intellectuelle peut apporter un intérêt aux mouvements de lutte sociale qui sont bien évidemment portés par les travailleurs et travailleuses ou les étudiants et étudiantes dans la précarité. Nous, on est là pour les appuyer.